J'ai vécu l'enfer, Julia Paredes se livre sur violence conjugale dont elle a été victime. Dans les colonnes de Public, en kiosque le 3 mars 2023, Julia Paredes s'est longuement confiée sur son parcours. Elle s'est notamment exprimée sur son histoire d'amour, à 19 ans, avec un homme violent. Depuis quelques jours, le monde de la télé-réalité est secoué par une affaire de violence conjugale. Ilona Goss accuse en effet son ex-compagnon Julien Bert de s'être montré violent envers elle. Tant physiquement que verbalement, durant leur relation. Il avait les yeux noirs. Ce n'était plus la même personne, c'était quelqu'un que je ne connaissais pas. Il a levé la main, il m'a étranglé, il m'a soulevé à ça du sol. Je me rappelle juste que je n'arrivais plus à respirer. Ainsi racontait celle qui participe actuellement aux Apprentis Aventuriers, sur W9. Julia Paredes, une autre candidate de télé-réalité vue notamment dans Les Anges, a elle aussi été victime de telles violences. Il y a quelques jours, elle avait abordé le sujet dans l'émission chez Jordan sur C8. Elle avait révélé avoir été séquestrée pendant 2 ou 3 jours par un ancien compagnon. Avoir pris des coups de casserole et avoir dû se refaire le nez à cause de cet ex un peu violent. Bien décidée à ne pas cacher cette période douloureuse de sa vie, Julia Paredes en a de nouveau parlé dans une interview accordée à Public. J'étais très jeune, j'avais 19 ans et c'était ma deuxième relation. J'ai vécu l'enfer. Au début, c'était une claque, et ensuite, ça allait de plus en plus loin, a rapporté la maman souffrant d'endométriose. Elle a affirmé avoir été victime de nombreux coups de poing et coups de pied. Mais pas seulement. Après, il prenait ce qu'il trouvait comme les casseroles, etc. Il m'a défigurée et c'est pour ça que j'ai fait de la chirurgie esthétique, a-t-elle expliqué. La jeune femme a eu le courage de déposer plainte, ce qui l'a sauvée de la violence de cet homme. Heureusement, j'ai pu m'en sortir car on était en Suisse et quand j'ai porté plainte, la police l'a interdit de territoire. Je ne l'ai plus jamais revue et c'est tant mieux, a-t-elle conclu. Depuis, Julia Paredes reste marquée par cette période. Elle est néanmoins parvenue à retrouver l'amour dans les bras de Maxime Parisi. Un bodybuilder avec lequel les relations deviennent compliquées. Parents de Luna et Vittorio. Ils viennent de décider de vivre séparément pour ne pas se disputer devant les enfants. Un test pour savoir s'ils sont capables de donner une suite à leur histoire.